Les voyelles combinées. Certaines lettres peuvent être mises ensemble pour indiquer un son spécifique. C'est le cas pour certaines voyelles. Par exemple, un A plus un U mis ensemble représente la prononciation O. Exemple, aussi, aujourd'hui, automne, chevaux, journaux, eau, beau, bureau, tableau, beauté. O et U égale ou. Exemple, bonjour, vous, tout, pour, bouquet. Bonjour, voici un bouquet pour vous. E plus U égale E ou E. Exemple de E dans les syllabes ouvertes, c'est-à-dire les syllabes qui se finissent par une voyelle prononcée. De, peu, mieux, feu, veux, cheveux. Exemple de E dans les syllabes fermées, c'est-à-dire les syllabes qui se finissent par une consonne prononcée. Sœur, peur, meilleur, fleur, vol, cœur. E plus I ou A plus I égale E. Exemple, neige, beige, Eiffel, vieille, oreille, j'aime, maison, mais, fait, s'il te plaît. Attention à une exception dans laquelle A plus I est prononcé E. Exception à savoir, nous faisons. Et tous les dérivés basés sur cette forme, le participe présent et l'imparfait par exemple. En faisant, je faisais, vous faisiez. Quelle prononciation ? Associez les mots suivants à la séquence de voyelles qui correspond. Conclusion, AU et EAU sont prononcés O. OU est prononcé OU. EU est prononcé E dans les syllabes ouvertes. EU est prononcé E dans les syllabes fermées. EI et AI sont prononcés E, sauf dans nous faisons, prononcé E, faisons, et ses dérivés.